Allez go, on va continuer du coup. Par contre, est-ce que c'est... Seigneur Sakai. Oui. Comment vont les recrues, Daikoku? Le moral est bon. Ils savent que le fantôme les accompagne. Le moral est bon, mais c'est pas tout à fait ça. Mais il est bon. Seigneur Sakai, vous voilà. Voilà, j'aime pas quand on voit la grosse arc derrière mon dos. Taka, grâce à nous, Yarikawa a une chance de se défendre. Tu peux être fier. Je le suis, monseigneur. Mais dehors, les Mongols s'agitent. Nous leur avons montré que Yarikawa ne se rendrait pas. Ils veulent se venger. Attaqueront-ils ce soir? J'en doute. Ils nous tiendront éveillés toute la nuit et attaqueront demain quand nous serons fatigués. Repose-toi tant que tu le peux. Le fantôme de Yarikawa. Allez hop. J'ai failli oublier. Yuna est dans le donjon. Elle vous attend là-bas. Merci. C'est... Oui, voilà. Putain, j'ai eu peur. Ah putain, on va devoir reparler à l'autre con, là. C'est lui, là, d'ailleurs, non? Seigneur Sakai. Les défenses de la ville se mettent correctement en place. Daikoku m'a dit que c'était grâce au fantôme. Merci. Mais ça ne change en rien ce que je pense de votre oncle. Ce n'est pas mon but. Les samouraïs ont été balayés. J'ai besoin de vous. Plutôt de corps à jeter aux Mongols. Les hommes de Yarikawa sont connus pour leur courage et leur adresse. C'est de ça dont j'ai besoin. Je vais y réfléchir. Quel PD, putain. Des corps à jeter au truc. On se bat en première ligne, tu sais. On n'est pas des lâches. Putain! Ils sont en période de crise et ils continuent à faire les mecs qui ont de la fierté. C'est un truc qui... je sais pas, ça m'insupporte, ça, c'est grave. En plus, fierté mal placée, c'est encore pire. Ben, démerde-toi, tu sais, mais je me casse et tu meurs, c'est tout. Espèce de con, là. Tu ne dors pas non plus. Ils ont tué les samouraïs. Comment des fermiers pourraient-ils les vaincre? Nous devons essayer. Je crois que tu en as plus besoin que moi. Oula, rapprochement. D'ailleurs, j'adore ces petites courses, il faudrait que je m'en achète une. Ah, oui, Kenji d'accord. A passé le restant de la journée avec une seule sandale. Ce truc est atroce. Ma mère adorait ça. Elle en buvait comme du petit lait. Elle était hors d'elle quand il n'y en avait plus. Elle nous hurlait. Où est mon thé ? Une femme exigeante, on dirait. Elle a cassé le bras de Taka quand il avait 6 ans. Je me suis enfuie avec lui. On est parti le plus loin possible d'elle. Ils l'ont retrouvée morte 1 mois plus tard. Face contre terre dans la rue. Tu as été courageuse de protéger ton frère. Car parfois, la seule solution, c'est de tout abandonner derrière soi.
Déjà, Yuna, ils ont géré. Jin, on y est. Aux portes. Sucker Punch, ils ont géré dans ce qui est du scénario et émotion et tout ça. Quoi parce que. Arrive, nous ne reculerons pas. Quand on compare avec Days Jin, Gone. Yuna, les Mongols. Allons-y. Quelle distance. Ils sont à nos portes. S'ils les franchissent, nous les arrêterons. Le voilà. Le fantôme. Fantôme, sauvez-nous. Rassemble ceux qui ne peuvent pas se battre dans le donjon. Écoutez-moi. Tout le monde dans le donjon. Vite. Ils sont à nos portes. Ils nous attaquent. Ils vont briser la porte. Tenez bon. J'attends que ça. Tous les Mongols qui oseront franchir nos murs mourront. Personne ne doit passer. Marchez. Marchez. Repoussez-les. Ne les laissez pas entrer. Je vais en laisser aucun rentrer, moi je vous le dis. Ah merde, il est pas mort moi. Yarikawa. Elle est où l'autre? Tenez vos positions. Ah là-bas. Suis-moi. Repoussez-les. Tenez cette porte. Le fantôme. Défendez la porte. Repoussez-les. Ah, j'ai vu le gros qui arrive. Hein. Assassine-le! Allez, allez! Ça me redonne... voilà un rond. Sacrifant la petite coquin. Écartez-vous. C'est à moi de gérer tout ça. C'est mon dada. Elle repart la queue entre les jambes. Ils se replient. Ils n'ont pas subi tant de pertes. Qu'est-ce qu'ils fabriquent? Veulent-ils nous débusquer? Non. Retenez-les autant que possible, puis repliez-vous dans le donjon. Je m'occupe des armes de siège. Je viens avec toi. Non. Rejoins Taka. Quelle femme, putain, à la fin je t'épouse. Obligé de passer discrètement. J'aimerais bien les tuer en fait. Allez, allez. Faut pas faire des manières. Parce que... D'ailleurs, j'ai amélioré l'assassinat. Je tue plus vite. Je dois brûler ces machines.
Et si j'attends le bon moment, je peux les faire un assassinat éclair. Finalement, hein. Voilà. Merde, j'aurais dû faire ma petite roulade. Il y avait un... Putain, au dernier moment, je l'ai vu. Allez, on fait un assassinat éclair. Allez! Mal, ça coûte pas plus cher, pardon. Malédiction, c'est le général. On dirait qu'il est près du donjon. Ah oui, moi je veux tous les tuer. D'ailleurs, je vais essayer pour la première fois si on peut faire utiliser nos armes fantômes pendant un duel. J'ai jamais fait ça. Voilà, hop, rapide, efficace. Voilà la jugulaire. Ah, il est là, regarde, il met la pression aux femmes. Putain, je déteste. Tiens, fais le beau maintenant. Là, il frappe. Oh là là. La pauvre, elle est morte. Putain, elle s'est pris une tarte, quoi. Oh là là. Temugei, affronte-moi! Le fantôme! Croton me récompensera pour ta... Ah là-bas, il y a un arbre d'offrande. Ça veut dire que dès qu'on aura gagné, on aura une troisième ville d'offrande. Je suis Jin Sakai. J'ai tué des hommes de votre trempe sur toute notre île. Votre sang recouvrira cette île. Oh là là, je regrette ce que j'ai dit. Prends garde, Koubé. Kotun ne te récompensera pas si tu meurs. Tu as eu de la chance, mais ça s'arrête là. C'est ce que j'allais dire, c'est ce que je disais dans ma tête. Quand il a dit que tu me récompensera pour ta tête, je me disais ouais, je récompense pas les morts. Allez pour le surfeur. Et j'enchaîne avec un... Attends. Ah, j'ai débloqué un truc, exécuter furtivement des chefs ennemis, confère la posture du fantôme. Oh mon dieu, c'est ça alors quand on disait les armes fantômes. Envahisseur, voyez votre général, fuyez. Bien, vous le rejoindrez. Peuple de Yarikawa, chassez tous les Mongols jusqu'au dernier. Épargnez personne. Pour Yarikawa. Yarikawa. Tiens, si je pouvais courir plus vite, putain. Poursuivez-les. Attendez, je vais aller là. Là.
Tuez l'ennemi! Prenez leur tête! Tuez suffisamment d'ennemis sans subir de dégâts pour accéder à la posture fantôme. Ah, la légende grandit! Tout le monde à la porte! Poussez! Le fantôme! Le fantôme! Repoussez-les! Fuyez, bande de lâches! Ah, la légende grandit là. La classe! Yuna! Nous avons sauvé ta ville. À présent, aidons le seigneur Shimura à sauver notre île. Nous ne sommes pas des soldats. Qui a tué ces Mongols ? Qui a résisté à leur siège ? Qui a sauvé Yarikawa ? C'est nous. Vous ne pouvez pas rester là à attendre que les Mongols reviennent vous tuer. Vous n'êtes peut-être pas des soldats, mais vous êtes des guerriers. Nous pouvons vaincre l'envahisseur et sauver notre île, à condition de rester unis. Fantôme de Yarikawa. La classe! On les a tous balayés. Vraiment là, comme on dit, la puissance du mythe n'a pas de limite. Et là, on a vraiment donné naissance au mythe du fantôme de Tsushima. Ton ami a vaincu l'un de mes meilleurs généraux. Les hommes commencent à penser qu'il est invincible. Tu vas leur prouver qu'ils ont tort. La récompense pour la tête de Jin ne m'intéresse pas. Comment ? Tu ne te soucies plus de tes fidèles, chapeau de paille ? Jin est le meilleur guerrier de cette île. Mes hommes ne peuvent pas le tuer. Il y a plusieurs façons d'éliminer un ennemi. Trouve-en une autre. Et si ? Nous n'avions pas besoin de le tuer. Espèce de lâche, salaud. Posture du fantôme. Pour adopter la posture du fantôme, exécuter furtivement des chefs mongols ou tuer suffisamment d'ennemis sans subir de dégâts. C'est fait. Yarikawa se joindra à nous. Mon oncle sera ravi de cette nouvelle. La classe. Le jugement par le sang. Un jugement par le sang. Du coup, non. Ah si, voilà, on a un hôtel des faveurs. Mais est-ce qu'on en a dans toutes les villes ? Là, non. Non, je pense qu'on en a juste un là. Je vais aller le faire. Si je me souviens bien là-bas. Allez, hop. Ah, il reste les traces des cadavres. Putain, c'est bien fait. Juste des petites lueurs comme ça qui scintillent. Ah, il est là, le donjon, putain. En tout cas, la naissance du fantôme, là, de la posture du fantôme, j'ai vraiment aimé. Allez, go. On va voir ce qu'on a gagné du coup. Rêve hanté. Ouais, du cuir. De l'acier, ouais, ça c'est sympa par contre. Bois d'if.
Cuir, encore. Est-ce qu'on a des... D'accord, on n'a pas eu de bento. Par contre, attendez, parce que je sais que... On peut en avoir plusieurs. D'accord, il y en a plus. Ok, ok. Là, on a un bento. Je vais voir si dans les autres villes, on a d'autres offrandes. Non. Et non. On est d'accord, il y en a plus. Bon, je vais faire ça. On va voir l'équipement, du coup. Enfin, le... Ça, là, le bandeau. Le bandit brutal. Rêve hanté. Il est pas mal. J'aime bien les trucs qui sont dans les nuances sombres. Mais on va pas le mettre, on va rester comme ça. D'ailleurs, je me tâte à... Ah non, on peut pas la mettre en blanche, cette armure, c'est vrai. Bon, mais on s'arrête là et on se dit à la prochaine.